Bienvenue à tous. Avec moi, l'équipe Bess. Bienvenue dans l'univers Bess. Je me nomme Priscilla Audet. J'ai l'honneur d'animer aujourd'hui. Avec moi, j'ai deux invités extraordinaires. Mesdames et messieurs, José Renaud, notre invité, notre artiste invité. Bonjour. Cette coiffeuse de haut niveau, en fait, est un maître de son métier. Elle est passionnée, une styliste et formatrice. Elle a participé à de nombreux concours. Elle a également gagné le Contessa styliste québécoise. Elle voyage partout dans le monde pour aller se ressourcer et aller chercher des inspirations. Un gros merci d'être avec nous, José Renaud. Un gros plaisir. Et aussi, j'ai l'honneur d'avoir la belle Amélie Rainville, styliste passionnée qui a su, au fil des années, élever son travail de coiffeur à une forme d'art. Toujours à l'affût, autant en mode qu'en coiffure, elle rassemble des informations pertinentes afin d'offrir une expérience créative complète. Sa passion n'a d'égal que son savoir. Merci beaucoup, Amélie, d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci à toi, Priscilla. Ça fait plaisir. La collection José, elle semble avoir un caractère particulier. En fait, elle se démarque des autres collections. Est-ce qu'elle peut avoir une différence quelconque? Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ta collection? Tout à fait. Si vous me permettez, la collection est vraiment androgyne. Le nom de la collection est androgyne. Et c'est surtout pour donner de l'inspiration aux coiffeurs. Donc, on donne beaucoup de lassitude. Alors, on veut donner des idées. Non, être dans un cadre qui est trop serré, qui est trop fermé. Donc, on veut vraiment inspirer le coiffeur à sa création, à lui. On a des techniques, c'est certain, pour amener à ça. Mais on veut vraiment laisser beaucoup, beaucoup de lassitude. Donc, pour toi aussi, Amélie, quelle est la différence avec cette collection que vous avez apportée aujourd'hui? C'est une collection qui a été faite dans la liberté. C'est une collection qui a été créée à partir de mots, des mots littéraires, des mots qui ont un visuel fort chez les coiffeurs. C'était une collection où on a pris plusieurs mots, tant en coupe qu'en coloration, pour créer notre collection. Parfait. Donc, José, pour toi, les mots qui t'ont inspiré sont? Bien sûr, androgyne, parce que pour moi, c'est une façon, une liberté d'expression. Ça nous permet de briser des barrières. Donc, souvent, on se limitait à la coiffure pour homme, la coiffure pour femme, tandis que là, on se fait vraiment la coiffure pour la personne, selon sa personnalité. La déconnexion, parce que pour moi, c'est rendu
une partie de mon travail qui est presque juste ça. Tous mes coupes, je déconnecte, que ce soit vraiment très fort ou très, très doux, mais il y a toujours une déconnexion pour créer le style. Donc, style, pour moi, c'est très important, et attitude. Alors, en créant le style adapté à la personne, automatiquement avoir une attitude pour casser la baraque. OK, si je comprends bien, là, vous avez créé la collection avec des inspirations venant de des mots. Oui, exactement. C'est en plein son. La là. Couleur aussi. La couleur, la même chose. Alors, on s'est vraiment servi des mots comme texture, le mouvement, des volumes. On s'est servi de ces mots-là pour créer des dimensions, autant au niveau de la coupe, des asymétries. Alors, on travaille la couleur en asymétrie, on a travaillé la couleur en contraste, en déconnexion, coupe-couleur. C'est vraiment un amalgame ensemble qu'on a créé. Ce sera un bon moment pour faire entrer des modèles? Tout oui. à fait. Merveilleux modèle, s'il vous plaît. Et avec moi? Alors aujourd'hui, les filles, grâce à votre collection, si je peux me permettre, facilement, la cliente va pouvoir adopter des looks et même des attitudes différentes avec un seul et même look. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais inviter la coloriste veste, Caroline Carbonneau. Salut, Caroline. Très bien, toi. Alors, ma belle Caroline, parlons couleurs. Qu'est-ce qui serait le vocabulaire utilisé ou les termes qui sont distinctifs de votre collection? Oui, on a utilisé pour la couleur des termes tels que diffusion en bloc, diffusion en bande, un profond solide diffusé, pardon. On a vraiment été s'inspirer de ces mots pour créer la collection. Qu'est-ce que les mots provoquaient en nous pour effectuer nos techniques, puis en gardant ça quand même simple et efficace. C'est un beau soutien technique que vous avez créé en étant très artistique avec une collection très variée. OK. Donc, avez-vous aussi déterminé les couleurs à base de mots? Non. La couleur, c'est une tendance. Oui. Comme la tenue vestimentaire des grands couturiers, à chaque année, l'équipe Pantone... Les créateurs Pantone ouais. sortent des couleurs annuellement, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils les créent et nous les suggèrent. Et c'est avec ça, c'est avec ces couleurs-là que la tendance se développe tout au long de l'année. Donc, on a tout simplement pris les couleurs Pantone de cette année pour s'inspirer à notre collection. Wow! Et si je me permets, j'aimerais que tu me parles un peu plus en détail de la collection, s'il te plaît. Oui, la collection Androgyne, c'est une collection qui parle de contraste. En coupe de cheveux, on va toujours vouloir faire des contrastes. On va faire des lignes géométriques, on va faire des asymétries. C'est comme ça qu'on va le créer. On a voulu faire la même chose pour la coloration et on a utilisé le fameux cercle chromatique. Le cercle chromatique en coiffure, généralement, on va l'utiliser pour neutraliser des pigments, on s'entend. Donc, si on a trop d'oranger dans nos cheveux, on va utiliser le bleu pour neutraliser. Nous, on a fait l'inverse. OK. On a créé nos neutralisants, on a utilisé nos neutralisants pour aller créer nos effets contrastes. Comme ici, la belle Pierre-Anne, elle a un ensemble assez bleu flamboyant. Et on est allé chercher des diffusions en bloc orangé pour créer nos contrastes. Donc, toute la collection s'est faite dans cette optique-là. Wow, génial. Et la modèle à côté de toi, les inspirations et les contrastes sont aussi présents. Oui, notre modèle ici est quand même un blond polaire, mais en dessous, on est allé vraiment chercher un violet assez foncé et on a distribué une bande jaune qui est généralement neutralisant. Exactement. Pour aller créer notre effet wow. J'adore. Comme ça permet d'avoir beaucoup de caractère avec des petits placements de papier, si j'ose... Et voilà, ça peut se faire autant dans l'exubérant ouais. comme dans le soft aussi. Exactement. Tout ce que vous créez aussi à la maison, les gens, pour leurs clientes, peuvent... adoucir ou puncher encore plus. Oui, c'est le but. Hey, un gros merci, Caroline. Un gros merci à toi. Alors, les looks qui sont présentés aujourd'hui, en réalité, ont plusieurs façons de s'exprimer. J'ose m'exprimer moi aussi. José, quelle technique que tu peux utiliser pour créer une évolution dans ton look? Alors, oui, c'est une très, très bonne question, Priscilla. Alors, dans le fond, ce que je veux faire, c'est vraiment de venir enlever tout le volume au niveau de la déconnexion à l'avant. Pour donner l'ampleur à la partie qui est vraiment externe. Donc, si on peut bien voir, on a vraiment fait un zigzag au niveau de la frange. Fait que ça va me permettre, en plus de déconnecter, d'avoir pas de lignes qui sont solides. Donc, ça va permettre de diffuser encore mieux la couleur. Super. Ma belle Amélie,
quelle technique aussi tu pourrais me présenter qui pourrait donner un plus à ton look? On va travailler avec une asymétrie avant-arrière pour ma plus belle d'explications. Jeanne. Fait que, oui, exactement. on est souvent habitué d'avoir une asymétrie d'un côté à l'autre. Là, on va travailler avec l'inverse. On va vraiment travailler avec un devant beaucoup plus court, puis on va garder l'arrière plus long. On va travailler en basculant pour enlever la masse. On va dégager, se connecter au niveau du contour du visage, vraiment encadrer son visage. Merveilleux. On va vous laisser travailler. Je vais avoir l'honneur d'accueillir maintenant André Brisson, parce que parlons de mode masculine et c'est le meilleur à qui je peux demander. Il fait partie de l'équipe Prestige Hommes. Bonjour, André. Bonjour, Priscilla. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Génial. Ah, oui. Moi, ça va super bien. Dis-moi, cette année, couleur et texture, est-ce qu'on va retrouver ça dans les salons de Barbie? Écoute, c'est une grosse tendance. On en avait parlé l'an passé, déjà. On avait parlé de couleurs de plus en plus. Les barbiers sont à la recherche, justement, de pouvoir trouver des styles, surtout avec les réseaux sociaux. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'on peut aller chercher différents styles, adapter des styles qui sont différents au niveau de la coloration. Et j'ai eu la chance de travailler avec Bess au niveau de la coloration, qui est une couleur aussi, je pourrais décrire une coloration. Les bases sont froides, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que ça évite justement d'avoir des reflets indésirables. Comme on a pu voir avec les modèles, c'est qu'on était vraiment travaillé avec des bases de couleurs qui sont comme très différentes. Le marine, on parle de mix de gris, de marine et aussi des couleurs qui sont plus flash, chose qu'on voyait pas avant. Je dirais un peu aussi là-dedans, c'est d'aller chercher un style du client. On sait que les clients ont toujours peur aussi de pouvoir oser au niveau de la couleur. Mais je vous dirais, c'est de se créer son propre portfolio pour être en mesure de pouvoir expliquer au client qu'est-ce qu'on aurait le goût de lui faire dans ces choses, d'y aller graduellement. Et l'avantage de la coloration baisse, comme c'est une couleur qui est froide, comme je me répète, indésirable, avec des reflets indésirables, c'est qu'on arrive à travailler sur une couleur qui est riche, onctueuse, facile à appliquer, rafraîchissant pour le cuir chevelu aussi. Ouais. En fait, ce qui va aider pour les salons de coiffure ou les salons de barbier, c'est d'avoir du matériel qu'on a créé nous-mêmes pour pouvoir proposer aux clients les looks, pas juste arriver avec des idées, mais des fois avoir un portfolio, ça va aider beaucoup à aller introduire les services chimiques exactement à notre clientèle. Et c'est un plus aussi au niveau monétaire pour les salons de coiffure qui veulent augmenter leur profit. C'est quand même de quoi d'intéressant aussi pour eux. Extraordinaire. Surtout, il y a une coloration, je pense, sans ammoniaque qui peut être intéressante exactement aussi. Exactement. Ou un demi-permanent. Oui. Les oui demi-permanents chez l'homme sont très appréciés, je oui crois, pour pas justement chercher le petit chaleur qu'on n'aime pas. C'est souvent au niveau de pouvoir travailler sur un cheveu mature, c'est qu'on va travailler seulement à pouvoir donner juste un reflet, atténuer un reflet qui part comme 30 jours après 30 shampoings. C'est quand même de quoi d'intéressant pour pouvoir faire une transition. Une introduction, là. Une introduction, exactement, au niveau de la couleur. Parce qu'en 2021, c'est sûr que l'expérience client, c'est super important. Un gros, gros merci, André. Avec plaisir. Alors, j'aimerais réinviter ma belle Caroline, s'il vous plaît. Rebonjour, ma belle Priscilla. Rebonjour. On va parler de couleurs pour hommes légèrement, si tu le veux bien. Quelles sont, toi, ta vision, en fait, de la mode masculine cette année? Bien, moi, je suis choyée de vous en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me porte à cœur, la tendance homme. La tendance, elle évolue très, très rapidement chez les hommes dans les dernières années et les hommes ont besoin de leurs identités. Plus que jamais, on le voit, les hommes, ils se mettent du vernis, plusieurs couleurs, il y a la permanente, de plus en plus de couleurs. Donc, avec André, ça a été merveilleux parce qu'on a justement poussé l'audace pour être capable de se faire sortir l'identité de nos deux beaux garçons, nos trois beaux garçons. Exactement. Un gros merci, Caroline, de ton opinion pour la mode masculine qui est très, très, très présente autant chez les coiffeurs que chez les barbiers cette année. J'aimerais aller rejoindre mes dames pour vous parler un peu de vos transformations, s'il vous plaît. Oui. Alors, de mon côté, pour ma part, j'ai vraiment travaillé au niveau de la texture sur ces pointes pour me permettre vraiment de la légèreté. Donc, on peut très bien voir là, qu'on peut jouer par la suite, les mettre d'un côté, les mettre vers la droite, vers la gauche, faire un petit look vraiment qui est plus funky, un petit peu plus funky. Donc, la texture va me permettre de faire exactement ça.
Merveilleux. Amélie? Oui, bien, avec ma belle Jade, ici, on voit là, qu'on a vraiment bien encadré là, son visage avec la frange qui est très, très, très courte, qui soulève, qui fait ressortir toute la dimension de la couleur qu'on avait ajoutée au niveau du dessus. Alors, ça nous permet de changer de look là, au gré de la journée ou de nos envies. Merci beaucoup, mesdames. On aurait un modèle aussi. On a présenté des textures chimiques chez l'homme. Est-ce qu'on a parlé de la permanente? Bonjour. Voici notre super modèle avec son coiffeur, André, qui va venir nous expliquer ce qu'il a fait. Viens ici te présenter. André a procédé à la coupe de cheveux sur ce modèle. Bonjour, oui. André! Allô, allô! Alors, mode masculine, on est de retour. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec les permanentes en salon barbier? Écoutez, les permanentes, c'est une grosse tendance pour ces années-ci parce qu'on vient, on fait un retour des années, comme il y a presque 35 ans, on faisait 4-5 permanentes par jour. On parle de beaucoup de texture, on parle de texture, de légèreté au niveau de la permanente. C'est d'aller travailler au niveau du produit aussi en même temps. Parce qu'on sait très bien qu'avec un produit, avec la permanente, il nous faut un bon produit. Un gros, gros merci, André. On adore la permanente chez l'homme. C'est un produit et un service qui est très, très demandé. Moi, en salon, on me le demande beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on aurait un beau survol de collection avec nos modèles, mes chers? Bien sûr. Alors, si les modèles veulent bien aller vers l'avant. Est-ce que vous avez d'autres trucs à donner pour les gens à la maison pour créer vos looks et aussi peut-être avoir d'autres modèles pour nous présenter votre collection et les styles à apporter en salon? Bien sûr, mais je dirais peut-être de venir nous voir justement pendant le webinaire. On va pouvoir donner beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de trucs, comment on a fait pour arriver à nos looks. Donc, ici, toutes les techniques vont être faites. Ici, c'était vraiment pour présenter notre collection. On voulait vraiment vous donner du flash à l'œil. Oui. J'espère que vous avez apprécié. Je veux trop en savoir exactement. Ils ont réussi avec moi. Un gros merci, Josée. Un gros merci à Amélie, Caroline et André. J'inviterai les modèles à venir nous rejoindre, merci. S'il vous plaît, sur le plateau. J'espère qu'on a su vous inspirer. L'équipe Best a été excitée de vous présenter la collection. N'oubliez pas qu'on est là pour vous. Best, c'est de l'inspiration et la création est à vous. Merci
bientôt.